Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester l'application LCI. Alors, LCI, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire la chaîne info. Elle est disponible sur le canal 26 de la TNT. Et ils ont une application, on va donc la tester maintenant. Alors, déjà à savoir, j'ai décidé de vous faire ce test d'application LCI, puisque j'avais déjà fait le test de l'application qui est ici, c'est l'application France Info. C'est tous les deux des chaînes d'info, et elles sont pile poil bien placées. L'une canal 27 et l'autre canal 26. Le combat va être sanglant, je le sens. Alors, donc, quand on ouvre l'application, déjà vous voyez, c'est un petit peu pauvre. On n'a pas le logo LCI qui vient se foutre au milieu, genre avec une belle animation ou quelque chose. Non, c'est un truc blanc, pouf, voilà. Rien à foutre avec le bordel. Quand on ouvre l'application, on tombe directement sur un truc, voir le direct. On peut tout simplement appuyer là ou appuyer là. C'est comme vous voulez, mais vous aurez des pubs, puisque l'application est gratuite, et puis c'est le groupe TF1. Hein. Donc, et puis on est en France. Donc ensuite, voilà, on descend, vous avez ça. Vous avez des sujets écrits que la rédaction LCI écrit par l'application. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez quelques replays qui viennent se glisser au milieu de tout ça. La Médiasphère, c'est une émission tout simplement sur les médias. Si vous aimez bien les médias, bah regardez ça, c'est très bien. Moi, je regarde pas. voilà. Et vous avez LCI Matin en dessous. Donc LCI Matin, c'est leur matinale qui est donc de 6h à 9h. Mais ça, on s'en branle un petit peu. Il y a des rumeurs sur Macron, des trucs sur machin. Alors au niveau de l'ergonomie, je sais pas si on peut vraiment parler d'ergonomie, parce que c'est simplement un truc, on le défile vers le bas. Puis on arrive à un moment donné, c'est à ça. C'est tout pour le moment. L'info continue sur le canal 26 de la TNT avec LCI. En gros, ça veut dire allume ta télé puis mets le canal 26. Donc voilà, grosso merdo. On a un menu ici, le menu déroulant que toutes les applications presque ont. On a un lien rapide vers la météo. Donc là, moi je l'ai pas réglé la météo, donc c'est le temps de Paris et le temps de la France à ce jour, le mardi 30 août, et on peut avoir malheureusement que deux jours de prévision, le jour même et le lendemain. C'est pas con. Ensuite, vous avez le fil info. Le fil info, vous avez tous les trucs comme ça, c'est une espèce de gros condensé avec les heures sur le côté, les heures où ça a été posté. Et par exemple, si je prends la dernière actualité, du lundi au vendredi à 9h10, etc., etc., j'appuie et là je tombe sur le replay de la Médiasphère. Parce que c'est un truc qui traitait de la Médiasphère. Je peux le commenter, je peux le partager sur différents réseaux sociaux ou alors le partager directement sur Facebook. Ça, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est le fil info. Vous avez aussi le à la une que je vais vous montrer parce que ça se présente comme ça. Regardez. 4 actus à savoir. La première, Salé. Accusé d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux en Irlande, en même temps, vous apprenez des trucs. Regardez-moi ça. Apple est sommé par Bruxelles de rembourser 13 milliards d'euros. Tu sais, je voulais acheter un Mac Mini. Je crois que je vais arrêter. Achète-le pas, surtout d'occasion. Ça rapporte pas de l'argent à Apple. Donc. Ah, d'occasion, si. Profitez des occasions. Enculez bien le système. Hein. Faites un gros fuck à Apple d'ailleurs. Achetez de l'occasion, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc il y a 4 actualités. Donc on a juste à descendre comme ça. Deuxième actualité, avec une grande limace comme ça en fond. Tiens, Emmanuel Macron va quitter le gouvernement. Bon, je vais faire la troisième. Oh non, c'est Burkini. Oh con. Quatrième, affaire du pont. Merde, c'est cause. Non, j'ai pas. Non. Bref, voilà. Donc ça se présente comme ça. Et ensuite, en dessous, vous avez le direct LCI, donc pour regarder la télé, à la une, vidéo, donc comme là, mais en vidéo. Les émissions d'LCI, la primaire du PS, parce qu'on est en plein... Ouais, en pleine primaire, quoi, en pleine année électorale, si vous voulez. On est encore en 2016, mais l'année prochaine, c'est l'élection. Ils sont un peu barjots avec ça. Vous avez des trucs à suivre, vous voyez, pardon pour le fuck. Donc vous avez, bon, la polémique autour du Burkini, la crise du lait, 2017, la fondation Hollande, etc., etc. Hein. On est dans la merde, quand même, hein, encore. Voilà. Puis voilà, vous avez des petites rubriques, France, internationale, culture, sport, lifestyle, etc., etc. La chaîne immobilière. Oh là là, LCI, moi, ils sont forts, oh là 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 là. Et simplement, tout en bas, vous avez les réglages, les alertes, et vous pouvez donner votre avis. Attends, regardez un petit peu ce qu'ils appellent réglages chez TF1. Attention, 3, LCI, 2... LCI, mon gars. C'est le groupe TF1. Arrête de m'enculer comme ça, sec. Attention, 3, 2, 1... Wow, ce buzz de ouf! Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Choisissez votre ville pour la météo, choisissez vos villes préférées pour la météo, et les mentions légales. T'appelles ça des réglages? Putain. Voilà. Ensuite, vous avez ici le direct. Donc si j'appuie dessus, ça me lance le direct de LCI. Ensuite, vous avez la météo ici. Voilà, on peut la retrouver un petit peu partout, la météo. Pareil, hein, ça se présente toujours de la même forme, hein, parce que c'est le même, mais c'est différents raccourcis. Et à côté, vous avez là, un V dans un point bleu. C'est ce qu'ils appellent à suivre. En gros, c'est l'actualité, quoi. Vous voyez, tout ce qui se passe. La chute de Dilma Rousseff, le prélèvement à la source... La sonde Juno, etc., etc. Tout ce qui est dans l'actualité, un petit peu comme ça, qui passe, présenté sous cette forme.
Oui. Ah, scandale des packing, pardon. Ah, le retour de Pogba, Manchester. Et puis voilà, hein, grosso merdo, je crois qu'on a fait le tour de l'application. Ouais, on a fait le tour. Donc, voilà. Je vais aller manger des patates maintenant. Donc voilà, l'application LCI est disponible gratuitement pour les iPhones, les iPod Touch, les iPads, mais aussi pour les terminaux Android. Tous les liens sont dans la description, y compris le site de LCI, www.lci.fr. Vous pouvez aller voir ici la chaîne YouTube, Azus165. De l'autre côté, c'est le Facebook. Mais en fait, vu que je peux pas mettre le lien Facebook, parce que YouTube me l'autorise pas, enfin je sais pas, c'est un truc de merde. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur la chaîne CSEB, la chaîne. Et puis le Facebook, c'est celle. Encore une fois, j'ai pas pu mettre le lien directement cliquable parce que YouTube me l'autorise pas. Ils sont un peu cons dans leur tête. Allez, ouais, c'est cool, ouais, super, ouais, super l'émission. Voilà. Grosso modo, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire le tour. C'était Rémi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Et j'ai pas trop été à l'école, donc c'est pour ça que je répète. Et en attendant, likez la vidéo, et puis, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.